Mais non, j'ai pas envie qu'on recommence tout ça. Alors pourquoi t'as accepté? C'est la dernière fois, on va dire. La dernière fois jusqu'à ce qu'il nous redemande quelque chose. Mais non. Enfin, bon, peut-être. Mais on l'enverra balader à ce moment-là, Logan. Arrête. Tu sais très bien que c'est pas si simple. Écoute, la dernière fois, on s'est mis d'accord. Il en a rien à foutre de tes demandes. Tout ce qui compte pour lui, c'est son putain de business. Je te jure que la dernière fois, j'ai... La dernière fois? La dernière fois? La dernière fois? Mais c'est toujours la dernière fois. Putain, mais t'as vu ce qu'il nous demande? Je sais que c'est difficile. Difficile? Mais c'est même plus difficile, là. Il nous demande de... Oui, je sais. Je sais, écoute. On n'a pas le choix si on veut être libre. Monsieur J couvre ses arrières et les notes par la même occasion. Le risque, c'est que tout puisse remonter vers lui et vers nous. Et on peut pas prendre ce risque. Ils seront pas aussi cléments que l'année dernière au tribunal. Souviens-toi l'affaire du kidnapping. Écoute, tu sais que je te suis dans tous les cas, que je t'abandonnerai jamais. Mais c'est du délire, là. Écoute, on a déjà plongé pour nos potes une fois, d'accord? On s'est déjà sacrifié pour eux une fois. Et c'est fini ce temps-là, j'ai plus envie de refaire pareil. J'ai plus envie, Logan. Combien de temps avant qu'on doive le refaire une deuxième fois parce qu'ils ont fait une connerie? C'est vrai. Surtout avec Safe qui sait pas fermer sa gueule. Ouais, lui, c'est vraiment pas la fermer, c'est sûr. Ok, mais alors c'est quoi le plan? J'ai pas vraiment encore réfléchi à un plan, mais... T'as même pas de plan? Mais tu vois, Monsieur J nous laisse dans la merde, avec toi en train de chercher une solution pour tout nettoyer, en train de patiner dedans. Et moi derrière à essayer de ramasser la merde, alors que je déteste la merde. Tu sais que j'aime pas la merde, hein? Tu sais très bien que j'aime pas la merde. Je sais que tu détestes la merde comme n'importe qui de censé. Ce qui est pas censé, c'est cette putain d'histoire. C'est du délire. Enfin, je crois que tu réalises pas. Mais si, t'inquiète. Et puis je suppose qu'il va nous appeler. Ouais, il va nous appeler, ouais. Rappelle-moi quand est-ce qu'on doit... Est-ce qu'il vous fait autre chose? Non, c'est bon, merci. Quand est-ce qu'on doit... Doucement. On dirait que c'est un jeu pour toi. Dans 2 heures. 2 heures. Oui, je sais. Tu vois, même toi, t'y crois pas. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Nos amis, et puis même, c'est du suicide. Comment on peut dire, à nous deux, enfin, je veux dire, je remets pas en cause notre potentiel, mais 8. Je sais que dit comme ça, ça paraît difficile, mais je te jure, Logan, on va trouver un plan comme d'habitude. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu regardes? Il est pas un peu petit ce costume? Tu trouves? J'ai l'impression, tu fais vachement serré. Ah ouais, je suis un peu serré. Ouais, mais tu te sens bien dedans. Je devrais me sentir bien. C'est un costume. Oui, mais du coup, comment je sais si je suis suffisamment à l'aise pour être correctement à l'aise? Je sais pas, c'est une question de ressenti, ça. De ressenti? De ressenti, oui. Tu te sens fort dedans? Fort? Fort, oui, charismatique, élégant, que même les gens puissent avoir peur de toi, ou au même faible, au même niveau que le jeu de Tommy Wiseau. Et oh, ça va, non, respecte-moi s'il te plaît. Non, d'ailleurs, je me sens plutôt bien. Oui. Bon, c'est toi qui le portes. C'est la dame du magasin qui m'a dit qu'il était bien. Oui, mais tu sais comment sont les commerçants. Ils sont tous là à faire ami-ami avec toi alors qu'ils en pensent pas moins, dans le seul but de te faire cracher du pognon. C'est hypocrite. Ok, Platon, on est peut-être tous des commerçants dans le fond. Bon, c'est peut-être moi qui me trompe, ok. Mais tu vois, c'est un truc que Monsieur J aurait pu ne pas nous obliger de porter. Pourquoi on doit tout le temps porter des costumes? On est les seuls cons dans la rue qui portent des costumes. C'est pour faire plus mafia? On n'est pas dans un film de mafieux. Ouais, il a un côté extravagant, il aime divertir, donc... Oui, mais là on tombe carrément dans le cliché. Moi je pense que c'est juste pour que son entreprise fasse plus distinguer. Ouais, je suis plutôt d'accord. En attendant, on se fait remarquer dans la rue, on passe pas inaperçu. Mais justement, c'est un problème. J'ai dit ouais. Pas ce soir, Charles, tu fermes ta grosse gueule. Je sais pas. Allô? Monsieur J, bonjour, j'attendais votre appel. Vous êtes prêt? Toujours. Après, si on avait le matos, ce serait plus facile. Au cas où vous auriez oublié, on n'est que des petits dealers. Hé, hey, baisse d'un ton, Mino. Tu devrais faire gaffe à comment tu causes. La vie peut te faire de belles surprises. Ouais, ouais, c'est ça. Menacez-moi autant que vous voulez. Mais comment vous faites sans se barre sans fric? T'as toujours une grande gueule, toi, hein? On me le dit souvent. C'est pour ça que je t'apprécie. Enfin bref, peu importe. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le fric. Sans lui, on fait rien. Il est où? On a laissé la voiture sur le parking comme convenu. Le fric est dans la bagnole. Et le matos? Dans la bagnole aussi. Ok. Mais une dernière chose, Monsieur J. Quoi? Comment est-ce qu'on fait une fois que c'est fait? Comment ça, comment vous faites? T'as besoin que je t'apprenne? Non, mais je veux dire, on n'a jamais fait quelque chose à cette envergure-là, donc je me demandais... Je ne vois toujours pas quel est le problème. Bah, comment on fait une fois que la chose est faite? Eh ben quoi? Tu veux faire quoi après ça? Un tennis? Chiure démoniaque? Non. Je te demande d'aller faire un tennis? Non, pas du tout. Eh ben alors, Jouf,
Je veux dire, une fois que qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Ben voilà, c'est déjà un peu plus clair. T'en fais pas, laisse-les sur place. On viendra les récupérer et nous en occuper. Vous pourrez crever en paix. Ok, très bien. Adieu, monsieur J. Allez, on y va. Ils ont tout mis dans la voiture. C'est vrai, t'as pas sûr des monnaies? Non, non, il a bien dit ça. Tu trouves qu'il est petit? Eh ben putain, ça fait un paquet de fric, hein. Ouais. This dance is for us, like the other few days. Dance forever, I'm just everyone of you guys. Oh, whatever on this stage, just have to be together. Today is our day. We can do whatever we want, we don't have to worry. And the best is yet to come. Oh, I wonder the day we die. Remember all of us like this. Woo! Hey! Yeah! Hey! Yeah! Woo! Yeah! Hey! Yeah! Woo! Hey! Hey! Comme toujours, elle marche encore cette voiture? Ça marche pas une voiture. Ça roule. Tu veux pas que je l'achète une nouvelle? Je t'emmerde. Lui, c'est Rocco. Avant toute chose, oui, c'est son vrai prénom. Inutile de vous expliquer pourquoi son père l'a surnommé de la sorte. C'est un grand passionné de musique et il lui arrive parfois de faire des concerts. Il nous est impossible de rester sérieux avec lui. Voyez comment il chante. On a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Oh. Il est très sociable, ce qui le rend plus accessible pour dealer. T'as encore 50 euros là. Voilà. Allez, profite bien. Pas tous un père qui habite à Dubaï. Lui, c'est Christian, on le surnomme aussi Octogone. Il est tellement violent qu'on se demande où il a été élevé. Vous voyez ce genre de personne avec qui on sait jamais s'il faut rire ou pas? Eh bien c'est lui. C'est un combattant dans l'âme et il est heureux que lorsqu'il torture quelqu'un. C'est lui et lui seul qui s'occupe de liquider des gens qui auraient causé du tort au business de Monsieur J. Non mais, regardez comment il s'amuse. Quoi, tu connais pas cette scène? Putain! Fumez, s'il te plaît! Fumez! Fumez, s'il te plaît! Fumez ta race! Comment ça va? Oh, je crois que j'ai fumé trop vite dans la voiture. Oh les gars,
Je vous ai envoyé un snap sur Insta, vous répondiez même pas. Un snap sur Insta? Mais Saïf, réfléchis un peu. T'as fumé trop vite ou t'as roulé trop vite? T'as bien un peu des deux. Oh Chris, viens me dire bonjour. Voilà les inséparables, et ici, Mathias. Inutile d'être aussi pointu qu'Hercule Poirot pour comprendre pourquoi ils ont cette tronche. L'art en général est la chose la plus importante à leurs yeux. Mathias est essentiellement passionné de fringues, et il est déjà en train de lancer sa propre marque de vêtements. Tu peux pas trouver meilleur sur le marché. Ah, parce que maintenant je dois faire de la fausse fourrure? Écoute-moi bien, sa fille. Johnny, écoute-moi. Faut vraiment qu'on fasse un putain de stock de fausse fourrure pour ces putains d'écolos de merde. Un contrat avec Thomas Mitchell? Mais bien sûr qu'on accepte, t'es con ou quoi? Johnny, tu te rends compte du fric qu'on peut se faire? Quant à Lucas, en ce moment, il passe plusieurs castings de comédie musicale. Il est certain d'être le nouveau Zac Efron. Et le matelot, il attendait Charlot, mais le Charlot, il était polo. Il vut ainsi à travers l'hublot, à genoux Vivi, suçant Charlot. Putain, ça fait 25 ans que je fais ce métier, j'en ai entendu des merdes. Putain, mais c'est toi qui as écrit ça? Sans déconner, quoi. Suivant! Et le pire dans tout ça, c'est que ça lui a pris une semaine pour écrire. Ce sont des aspirateurs humains. Leur cœur ingère la drogue comme un distributeur automatique de billets. On pourrait dire en un sens qu'ils sont goûteurs de drogue. Ah putain les gars, il faut arrêter de boire là hein. Lui c'est Safe, et c'est un distributeur de conneries. Il a un débit de bêtises qu'en ferait frémir Nabila. C'est lui qui va checker les marchandises. Elles sont belles ces plantes hein. Enfin... Ça c'est direction les jardins de Babylone ça. Safe, c'est de la marijuana ça. Ah! Je me disais aussi avec l'odeur... C'est une plaque tournante sociale. Allô, le problème étant qu'il ne sait pas fermer sa gueule. Faut vraiment pas que tu le dises, ok? La dernière fois j'ai... Mais ferme-la, Saïf! Quand je te demande de me ramener un 50, c'est pas un billet de 50 dont je te parle! Lui, je ne le présente plus. Un petit frère pas comme les autres. C'est mon garde du corps attitré, y'a qu'à voir comment il me défend. Juste arrête un peu. Oh, ça fait une semaine, je donne l'argent, arrête. Tu peux arrête un peu. De toute façon, arrête, frère. Deux secondes. Oh, gros, arrête, mec, fils de pute. Attends, oh, ça fait une semaine, je donne l'argent, arrête un peu. Touche pas à mon frère. La première fois qu'il a dit cette phrase, il était en 6ème, et il défonçait au milieu de la cour un 3ème qui voulait me taper. C'est peu dire si j'ai eu la honte. Il est le partenaire de casse de Christian. Quand il est pas en mission, il joue le supporter de l'OGC Nice. Ouais! Oui! Et il vit une histoire d'amour passionnel avec FIFA. Allez! Enfin bref, je ferai tout pour lui. Putain les gars, vous aurez pas un 10? Lui, c'est Anthony, c'est une personnalité publique. Il n'hésite pas à s'afficher sur les réseaux avec sa cam. C'est étonnant qu'il parvienne à être aussi performant et concurrencer Rocco en termes de vente quand on sait, officieusement, qu'il consomme la moitié à lui seul. Je crois que c'est un baobab, mais je suis pas sûr. Faudrait que je vérifie. Et c'est comme ça que je suis devenu chef de la tribu. Y'a un ours. Oh, c'est cool, je te remercie. C'était mon client, putain! Qui va à la chasse perd sa place. Qui va à la pêche, la repêche. Avec lui, vos journées passent à une vitesse folle. Et croyez-moi, après quelques litres et quelques kilos de poudre, c'est un phénomène. Ouais! Non. Oh, regardez qui voilà. Regardez-moi cette terre de chien battu. Daniel est probablement la personne la plus naïve du continent. C'est un amour, mais également le meilleur mythomane. Ouais, là, je viens de me faire soigner d'un cancer que j'ai chopé il y a une semaine. Ils m'ont fait une piqûre à la tête. J'ai failli mourir. Cancer de quoi? Du cerveau. Ils t'ont anesthésié? Non, sans anesthésie. Ah bon? Ah bah, dur la chimio, hein. Daniel incarne le romantisme. Alfred de Musset en serait jaloux. Mais vous savez, c'est comme une pile. Si on la surcharge, eh ben elle explose. Et l'amour, ça rend explosif. Shut up!
Depuis son enfance, c'est un grand amateur de poésie japonaise. Daniel ne nous est pas très utile dans ce business, mais il est dur de se séparer d'un ami d'enfance. Ouais, mais t'as encore fait des victimes ? Bien sûr, mon pote. Très bien. Je sais que ça va faire cliché, mais c'est un voleur très performant. C'est un immigré italien. Il est impossible de savoir ce qu'il pense, ce qui le rend imprévisible. Il lui est également impossible de résister à l'envie de voler ou de glisser sa main dans un endroit qu'il ne faut pas. La kleptomanie est une maladie, hein. Mais tout ça lui a amené pas mal de problèmes et c'est ainsi qu'il a rencontré Monsieur J. Le jour où il a tenté de le voler. Dès lors, Monsieur J s'est pris d'affection pour lui et il est entré dans la danse. Et dans tous les braquages, vous pouvez être certain qu'il est passé par là. Contre Kems. Mais putain, safe, sois discret. Mais il a triché, c'est impossible qu'il m'ait vu. Mais il est coloni dans ce schéma. Oh putain, il nous parle encore en italien. Safe, on aurait dit que tu faisais un ABC. Et je vous jure que c'est pas vrai. C'est vrai ou pas, Daniel? Bah, pour le coup, safe, t'étais vraiment pas discret. Pour que Daniel le dise. Écoute, safe, c'est pas ta faute, d'accord? T'es juste un petit peu limité. Les gars, changez-moi de partenaire, s'il vous plaît. Non, bon, safe, on sait tous que t'es pas le plus discret du monde. Je comprends pas pourquoi vous dites ça, les gars. Allez là, je vais vous niquer les gars. Save, concentre-toi, te laisse pas déconcentrer par les autres. Plus tu me donnes de bons, mieux c'est. Ah ok. Mais Anto, t'es bête ou quoi? On n'est pas ensemble. Bah ouais Anto, t'es bête ou quoi? Sinon les gars, on voulait vous remercier d'être venus. Franchement merci. Oh t'inquiète. On n'a jamais une occasion de faire la fête. Tu sais votre départ alors. Entre Kems. Toujours pas, hein. Après tu peux éviter de casser la gueule à table, elle y est pour rien. C'est de la merde ce jeu là. Sérieusement, vous comptez vraiment partir? Faut croire. On avait envie de passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on voulait vous voir une dernière fois. Comment ça une dernière fois? T'as prévu de plus jamais nous revoir? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Si! Je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Ce bâtard ne compte plus nous voir. Arrêtez, j'ai jamais insinué ça. Mais non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Enfin, je pense pas, c'est pas ce que t'as voulu dire. Non! Rookens! Mais safe, putain! Qu'est-ce qu'il est con! Vous voyez, à force de parler, on a failli donner la victoire à safe. Ah putain, j'étais concentré pourtant. Je suis désolé, Rocco. Tu vois, safe, même quand t'essaies, t'y arrives pas. Oh tiens, ça me fait penser à Daniel avec les filles. Mais je vous jure qu'il y a pas longtemps, j'étais pas loin de conclure. Non mais Daniel, avec les mères, ça compte pas. T'es pas mal celle-là. Ouais, elle était pas mal. Jusqu'à ce que tu ouvres ta gueule. Oh, allez. Écoute, Daniel, les filles, c'est comme les voitures, tu vois. C'est pas la carrosserie qui compte. Oui, enfin, si elle a la carrosserie d'une Super 5.
Moi, je me contente des Ferrari. What the fuck, tu t'arrêtes jamais. Ok, Daniel, ce que j'essaie de te dire, enfin, si on me laisse terminer, c'est que tu dois pas t'arrêter à la carrosserie pour les filles. Et je pense que les filles feront pareil avec toi. J'ai pas trop compris si t'essayes de m'aider ou de me faire déprimer encore plus. Ah, Daniel, arrête de te plaindre. C'est lui qui parle de carrosserie, là, sérieusement? Ok, bon, Daniel, la carrosserie, c'est pas le plus important. Pourquoi il parle de voiture? Écoute, Safe, je crois que ça, c'est une métaphore. C'est comme si je te disais, Safe, t'es un trou du cul. En revanche, là, c'est un pléonasme. T'as pas besoin de préciser que c'est un trou du cul, vu que c'en est un. Mais je comprends pas. Je suis une voiture ou un trou du cul? Mais Safe, t'es aucun des deux! Ah! Oui, enfin, là, la comparaison, elle peut se faire. Hein. Mais alors, pourquoi il parle de voiture alors qu'il n'aime pas les voitures? Safe, si tu fermes pas ta gueule, je crois que mon pied va faire un voyage express d'ici jusqu'à ta tronche. Ok, ok, on s'égare, là. Tout ça pour dire, Daniel, que ce qui est important, c'est pas la carrosserie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ou enfin, si on a levé de vitesse... toujours pas compris. Bon, Daniel, contente-toi d'une Smart. Non, moi, je pense que tu devrais aller te laisser tranquillement. Vraiment. Une fille, c'est comme la musique. Quand c'est la bonne, elle te prend en trip. Comme ça, tu vois. Et là, elle te lâchera plus. Et toi, tu ne la lâcheras plus. Ce qui prime le plus, vraiment, c'est la passion. Pas celle qu'on essaie de t'inculquer, de t'imposer, celle créée de toutes pièces. Non, non, celle qui a vraiment au fond de ton cœur. Pour eux, quand on parle italien, on ne sait plus qui a. Je regrette, mais je comprends toujours pas son dialecte, là. C'est de l'espagnol. En parlant de musique, t'as réussi ton audition? Non, le brusque est pas trop, il a loupé, c'est... ça a foiré. On s'en doutait un peu. T'aurais dû y aller à poil, ça aurait peut-être fait meilleure impression. Non, j'ai foiré. Je sais pas si c'est mon attitude ou même mon doigté, mais je sais pas. Le mien est toujours parfait. Merci, Chris. Ça a pas marché. Je crois qu'il est temps que j'accroche le crampon. Mais tu fais du foot maintenant. Safe, c'est encore une expression là. Cliché. J'en sais rien, j'imagine qu'on passe tous par là à un moment. C'est peut-être une période. Ou alors je suis vraiment pas fait pour ça. J'en sais rien, je suis perdu vraiment. Mec, dis pas ça. C'est sûr que c'est une mauvaise passe. Un jour, un producteur viendra et te reconnaîtra ta juste valeur. Ou alors, il veut passer sous le bureau. Les gars, ça veut rien dire tout ça. Je sais qu'on a tous des remises en question, mais... Non, tu peux pas comprendre, t'es un loser. Ah ouais. Là, on plonge dans la sincérité, là. Il est honnête. Vous savez quoi, merci de m'avoir remonté le moral. Je vais pas me laisser abattre, je sais que je suis fait pour ça. Tu veux que j'aille défoncer ce putain de producteur? Non, je fais comment, moi, après? Vous vous compliquez trop la vie, les gars. Moi, la dernière fois, il y a un mec qui a voulu me passer alors que j'étais dans la queue. Devinez quoi? Tu l'as laissé passer? Ferme ta gueule! Non, j'ai pété la tranche. Personne me passe devant, c'est clair? Moi, j'ai un problème, je le règle. En terre, j'y vais pas. Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Ça m'étonne pas. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vous allez peut-être pas me croire, mais je crois qu'il y a un indice, les gars. Et ça serait pas toi par hasard? Non. Déjà, j'ai entendu parler de l'histoire de Christian. Mais jusque-là, rien d'anormal. Ok, bon, pour le coup, il y avait rien de bizarre. Mais je suis certain d'un truc. La dernière fois, j'ai entendu M. J parler d'une certaine histoire comme quoi il aurait perdu plusieurs kilos de poudre. Et il était assez furax, hein. Ça fait déjà 3 fois dans le mois. C'est vrai que ça fait beaucoup. Quoi? J'aurais pas plutôt une idée d'où ça vient, au lieu de Sfigural Mikoji? C'est possible que parmi les recrues, il y a un petit peu trop de bavardage. D'ailleurs, c'est pas toi qui t'occupes de ça? De les briefer, de les organiser? Si? Et t'as rien remarqué de bizarre? Pas vraiment. Enfin si, il y avait un stagiaire qui est resté qu'un seul jour. Très sympathique d'ailleurs. Oh mais c'est pas vrai, Safe, on n'est pas une agence d'hôtellerie. On peut pas recruter des stagiaires, ils peuvent pas se barrer en une journée comme ça. Tu m'étonnes qu'on se fasse voler. T'as dû les briefer sur les lieux de marchandises. Ah merde. Ah bah oui, je vais étudier alors. Tu as trouvé quoi comme excuse à Monsieur J cette fois-ci? Oh, il n'y aura pas besoin d'excuse. Enfin, pas besoin d'excuse parce qu'on sera plus là. Logique. En parlant d'excuses, j'ai failli morfler la dernière fois. À quel propos? À votre avis? Ah, je vois. À cause de nous? Ouais. So believe that magic works.
Don't be afraid, afraid of being high. Allô? Ah, Gaëtan? On a eu un problème avec le gars à la maison, ramène-toi vite. Ok, c'est bon, j'arrive. C'est pas possible d'être tranquille, on peut pas être tranquille en vacances. Afraid of... Bon, Rocco, c'est quoi le problème? Il est où le gars, là? Ok, c'est rien. On a eu... Enfin, ils ont eu un problème avec le corps. Comment ça, avec le corps? Il n'y avait pas de corps avant. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Arrête, t'inquiète. Je te jure qu'on l'a pas fait. C'est quoi ce bordel? Il est où le corps? C'est pas possible. Oh, putain! 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 Le gars! Tu vas faire comment avec Monsieur J? Je sais pas ce que je vais dire, je sais pas. Je vais me débrouiller, laissez tomber. Je vais me débrouiller. Bonjour, monsieur J. Qu'est-ce qui t'amène? C'est pas ton jour de repos aujourd'hui? Croyez-moi, j'aurais aimé que ça se tienne à ça. Vas-y, je t'écoute. On a eu un problème avec le corps. Quel corps? De quoi tu parles? Vous nous aviez demandé de ramener quelqu'un. Oh putain, mais c'est pas vrai! J'en étais sûr, merde! Putain, y'avait pas de corps au début! Je vais tous vous buter un jour, bande d'incapables! Il s'est passé quoi? Eh ben... Faut qu'on le ramène intact, je te rappelle. Reste tranquille, là. C'était pas sûr, celui-là. Oh, les gars, attachez-le, bordel. Tu joues à quoi? Attends, c'est pas mal. Tu joues à quoi? Attends, faut que je l'attache. Dépêche-toi, là, gros. Tu joues à quoi? Mais attends, c'est lui, il fait que bouger. Dépêche-toi, tu t'es pute! Mais c'est safe, il sait pas conduire! Arrête de bouger, toi! Dépêche-toi, là, gros! Oh, safe, conduis mieux! Dépêche-toi! Mais attends! Allez, encore une. Allez. Non, c'est bon, je voudrais pas vous ennuyer. Allez, on sait que t'en as envie. Non, je sais pas. Tu veux qu'on te supplie? Bon, puisque vous insistez. Bon, c'est une mère, vous voyez, elle a pas été vraiment gâtée par la vie, tu vois. Son père est alcoolique, son mari l'a lâché, du coup, bah, elle se retrouve toute seule à éduquer son fils. Puis, bah, son fils, il est un peu handicapé, tu vois, du coup, bah, c'est un peu compliqué. Elle se retrouve tous les jours à devoir l'habiller, à devoir lui laver les dents, elle était à prendre le bus, tout ça. Du coup, bah, elle décide tout simplement de laisser prendre le bus tout seul. Tu arrives, toi, Saïf? Bien sûr, je suis pas idiot.
Fermez-la un peu, les gars. Laissez-moi finir. Bon, j'en étais où? Il va prendre le bus. Il va prendre le bus. Parce que sa mère lui a demandé. C'est ça. Car il est temps pour lui de se prendre en main. Le gosse, lui, il est paniqué complet, hein, genre... Oui, je peux pas, maman, hein. Il a jamais fait ça, quoi, tu vois. Il a pas dû faire grand-chose de sa vie, si tu veux, mon ami. Je le voulais pas. Enfin bref, je continue. Donc la mère, elle accompagne au bus, elle lui montre comment on fait, il faut lever la main, tu vois, et le bus s'arrête. Elle le rassure, son fils, puis elle le fait monter en bus et tout se passe bien. Le lendemain, du coup, elle le laisse aller tout seul prendre le bus, elle lui fait confiance. Et là, le petit handicapé, il appelle le bus. Le bus s'arrête pas, il passe devant. Le fils est dégoûté, il est tout triste, du coup il rejoint voir sa mère pour lui expliquer. Bah, la mère, hein, écoute, je comprends pas, enfin, c'est un bâtard ce bus, vas-y. Demain, on fait la même chose. Du coup, le lendemain, bah, il se remet à l'arrêt de bus et elle se cache dans le buisson. Elle se met à côté, elle voit s'il n'y a pas une couille quelque part ou quoi. Et bah, là, le fils, pareil, le bus il arrive, le fils là. Hein. Et le bus, pareil, il passe, tu vois. Genre, non, là, la mère est furax, elle sort là, elle fait écoute, demain. Tu te mets au milieu de la route, tu lui fais signe, normal, et là le bus sera obligé de s'arrêter. Oui, d'accord, maman. Du coup, le lendemain, pareil, la mère elle se cache dans le buisson, elle attend, elle regarde son fils qui se met en plein milieu de la route. Le bus, il commence à arriver, le fils qui est là, le bus, il est là. La mère qui attend, qui regarde comment ça se passe, le bus qui arrive, qui fonce, qui s'arrête pas, qui freine pas, et là, bam ! Le bus, bah, il écrase le fils, quoi. Normal, du coup, là, la mère, putain. Elle est paniquée, elle fonce voir le bus, elle fait « Mais putain, vous êtes sérieux? Pourquoi vous êtes pas arrêté? Il est en plein milieu de la route !» Et là, t'as le chauffeur du bus qui fait « Ah, mais il aime pas qu'on foute de ma gueule !» Vraiment pas mal. C'était pas Daniel le chauffeur? Je vous emmerde. Ça me fait pas rire. Que ce soit la blague ou ce qu'il a dit. Oh, allez, c'est qu'une blague. Allez, c'est bon, laissez-le un petit peu tranquille. C'est bon, j'aurais une chialeuse, là. Je déteste les chialeuses. Tu détestes beaucoup de choses, quand même. Chris, mets de l'eau dans ton vin, un peu. J'ai pas à mettre de l'eau dans mon vin. Qu'est-ce que tu racontes, là? Je dis simplement que Daniel doit arrêter de faire la chialeuse. Depuis que je le connais, il fait la victime. C'est bon, Chris. Non. C'est pas bon. Daniel, tu me casses les couilles. T'as un problème? Dis-le alors! Tu te victimises tout le temps! Sois un homme, merde! Tu m'écoutes quand je te parle? T'es une merde ou pas? Ok, Chris, tu devrais peut-être le laisser tranquille. Non! C'est à lui de l'ouvrir! Je veux l'entendre! Je veux qu'il parle! Je veux que t'agisse! S'il ne veut pas sa gueule, c'est que malheureusement, c'est une grosse merde! Regarde cette merde! Allez, Daniel, ouvre ta gueule un peu! Allez, parle! Parle! Rien dans le ventre. Alors ton petit cinéma de tout à l'heure, tu le refais plus. Si c'est pour rien dire après. C'est notre pote, hein. Tu pourrais y aller plus tranquillement quand même. Justement. J'ai encore plus dur quand ce sont mes amis. Bon, mais si on prenait la partie. Ouais, bonne idée. Je me rouge. Ah, c'est encore loin?
Je pense pas. Gaëtan, c'est encore loin? J'en sais rien, il nous a encore envoyé dans un truc paumé. Non mais, t'as vu comment c'est vaste? Et il t'a rien dit? Si, oui, il a dit quelque chose. Il a dit qu'il avait posé le colis en contrebas d'une falaise. Mais laquelle? Mais c'est pas elle, là? Ah bah, ouais. Bravo, Daniel. C'est vachement visible, mais bravo. Ok, et là, on va faire comment pour descendre? Eh ben, on va descendre. Ma main est la vite, je descends pas, moi. Comptez pas sur moi, je descends pas. Ok. C'est bon, je vais le faire. Comme d'habitude, sinon tu es toujours obligé de faire les choses de toute façon. On est incapable. Bon, par contre, quand je descends, vous m'aidez pour monter. Hein? Bon, quand j'étais petit, c'était facile. C'est bon les gars pour venir m'aider. Putain, ils sont passés où encore là? J'en veux pas un de vivant à la fin de la journée. Vous les butez tous. Oui. C'est clair? C'est clair. Tu te sens prêt à faire ça, Daniel? Je suis prêt. Ouais. Ah, ça y est. Allez, on y va. Tu faisais quoi? Je suis allé chier un coup. Oh, les deux frères, toujours en train de chier. Vous savez quoi? Ça me rappelle une histoire. Non, ferme-la, attends. Mais si, elle est marrante. Non, elle est pas marrante, c'est surtout gênant pour moi. Ah, t'as raison. C'est pour ça que je vais la raconter. Non, ah, allez, elle est marrante, laisse-le la raconter. Quoi, t'as honte de quelque chose? Un peu que j'ai honte. C'est bon, on avait quoi, 8 ans? Non, j'avais 12 ans. C'est quoi, t'as des trucs à cacher? Mais non, j'ai rien à cacher. Pourquoi vous me demandez ça à chaque fois? Calme-toi, on se demande juste s'il y a quelque chose que tu nous as pas dit. Pourquoi je vous dirai pas tout? Je cache rien, arrêtez un peu. Ta tête prouve le contraire. Non, c'est juste qu'il veut pas que cette histoire ressorte. C'est juste une histoire du passé. Oui, c'est vrai, c'est juste que c'est une histoire du passé et j'ai pas envie qu'elle revienne sur la table, quoi, c'est tout. Ouais, je comprends. Allez, vas-y, c'est bon, vas-y. Alors, ça remonte à loin déjà, hein. Et je me souviens qu'on était dans un camp pour ados pour aller faire du bivouac, et les moniteurs ils insistaient bien sur le fait de chier avant de partir. Et Gaëtan, il a pas fait. Sauf que le plus dur arrivait, et au bout d'une heure, ses intestins ils commençaient à faire un bruit pas possible. Je tiens juste à rajouter un truc, c'est que. On devait partir pour 3 jours, d'accord? Il a commencé à pleuvoir, c'était une tempête énorme, et on a dû repartir au camp, moi j'avais les intestins en feu, et on devait marcher encore 20 km. Ouais, je vous dis pas comment c'était drôle, hein. Toutes les 5 minutes, il était obligé de s'arrêter pour serrer les fesses. C'était une torture, cette randonnée, je te jure. Bon, finalement, on est parvenu à rentrer, et Gaëtan, il a couru en direction des toilettes. J'étais à 2 mètres des chiottes. Et là,
Mais j'ai tout lâché dans mon froc, c'était horrible. Très emmerdant cette randonnée. T'imagines même pas, hein. J'ai fait semblant d'être malade, j'ai pu mettre mon slip dans mon sac et j'ai pu rentrer chez moi. Un carnage. Et depuis, c'est pour ça que t'as des problèmes au colon. Putain d'espagnol. Exactement. En attendant, si vous pouviez merder un petit peu moins que moi, ça m'arrangerait des fois. Fais gaffe! C'est à toi de faire gaffe avant de l'écraser là! J'ai pas fait exprès. Et puis j'avais dit que je conduisais mal. Enfin bref, fais gaffe au corps. Pourquoi je ferais attention à un cadavre? Je sais pas, c'est le respect. Mais Saïf, il est mort! Y'a pas d'intérêt à être attentionnant avec lui. Il va pas se réveiller. Et puis je te rappelle, mon boulot, c'est de buter des gens. Je vais pas commencer à être attentionnant avec leur cadavre. Qu'est-ce que tu peux être irrespectueux des fois? Posez le corps là-bas, nous on a un truc important à faire. Je me lasserai jamais de cette bouffe, putain. Moi non plus. Après l'effort, le réconfort. Hein. Il va falloir qu'on ne tarde pas trop. Hein, parce que... Monsieur J, bonjour. Faut qu'on cause. Ok. Vu ce qu'il nous demande, va falloir un plan d'enfer. Va falloir que ton plan soit sans faille, hein. Parce que là, c'est quasi irréalisable. Si j'avais été seul, c'est ce que j'aurais pensé. Mais là, on est deux. Et à deux, on est largement capable de les éliminer. Et ensuite, à nous le fric. Exactement, t'es vif, toi. Bon, c'est quoi ton plan? C'est très simple. Qui est le plus susceptible d'entre nous d'avoir un flingue? Christian. Et donc, dès qu'on arrive, il faut que l'un d'entre nous aille tâter un peu Christian, histoire de voir s'il est armé ou pas, et donc si on est en danger. Par exemple, lorsqu'on lui dit bonjour. Par exemple, oui. Si Chris est armé, donc on l'éliminera en premier. Et s'il n'est pas armé, on l'éliminera en premier quand même aussi, ouais. Et pendant que moi je pointerai Christian, toi tu pointeras Logan. Il faut pas le laisser agir, sinon on est mort. Ok, mais on agit quand alors? J'ai tout prévu. Une fois qu'on est tous installés, que leur vigilance est tombée à zéro, ok? Tu sais ce qui va se passer? On va mettre le plan à exécution. Et à partir de là, on aura éliminé Chris et Logan. On les aligne tous sur le mur, comme ça. Tac, tac, tac. Et bim! On les élimine. Faudra être juste un petit peu réactif. Ça devrait le faire, hein? Ça va le faire.
peux pas. Je peux pas. On annule tout. C'est mort. Je veux que tu te rends compte. Je suis désolé de t'avoir embarqué là-dedans. T'as pas à t'excuser. Tout le monde a le droit de se tromper. C'est juste que le fait d'avoir pensé à faire ça à mes amis, ça me fout la gerbe. J'ai honte. T'aurais pu avoir honte si tu l'avais fait. Là, tu t'es ravisé et puis ta raison et ton amour pour eux a pris le dessus. T'avais raison depuis le début. Je te l'avais dit. Je t'écouterai plus souvent. J'ai remarqué que t'avais plus ton flingue. Ouais. Je l'ai jeté en rentrant. Je comptais pas l'utiliser. T'es quelqu'un de meilleur que moi, Logan. Et tu me pousses à devenir meilleur. C'est mon rôle de frère. C'est au grand frère, normalement, d'avoir ce rôle-là. Tu sais, on n'est pas obligé de s'en aller. Et attends, on peut rester ici avec eux. On peut commencer une nouvelle vie, mais ici, avec nos amis. Rien ne nous en empêche. T'as raison. Le plus important, c'est qu'on reste ensemble, toi et moi. Qu'on commence une nouvelle vie, une vie meilleure, mais qu'on la fasse ensemble. D'accord. Pas qu'on dit bon, t'es yo, putain. Oh merde, tu me suis. Allez, qu'est-ce qui se passe là? T'es en l'air. Je te préviens, tu redis encore ça, je te jure, je te bute. Oh, ton strong, c'est tu vas rien faire, mon pote. Tu vas rien faire. Eh, tu continues, tu te bois dans. Eh, je n'ai aucune paix, je te perds ta race. Tu prends ton dispatch, Cody Bob. Calmez-vous, arrêtez-vous maintenant, c'est bon, tu casses les couilles. Blue, ton strong, c'est le 4. Ah, mais moi aussi, je peux gueuler, les gars. Ma gueule, toi, t'as pas sonné. Arrête. Putain, c'est pas possible! On peut pas passer une journée sans se gueuler une fois dessus! Putain! Désolé. Pourquoi c'est plus comme avant? Avant, on était tous unis, là, on est plus rien. Si on a quelque chose à se reprocher, qu'on se le dise, bordel. On est des potes. On doit s'entraider, on doit tout se dire. Le jour où on meurt, les gars. J'aimerais qu'on repense à nous, unis, là, comme il y a 5 minutes. Qu'on repense à cet amour, cette amitié qui nous unit tous, cette chose si spéciale. Pas à ces disputes de merde, là, ces disputes futiles. Je veux qu'on passe notre vie ensemble. On passera plein de moments ensemble. Oh, fermez tous vos gueules maintenant! Putain de merde, mais c'est quoi ça? Oh, Lucas! Oh putain, le plan est en marche! Mais putain, mais. Désolé, je voulais juste exister.
suis désolé. C'est de ma faute. C'est ironique. Plus je m'éloigne de cette agonie, et plus je me rapproche de la mort. Je le sens. Mais ça ne me fait pas peur. Le jour où on meurt, je disais. Je ne pensais pas qu'il serait arrivé si tôt. Mais c'est un mal pour un bien. Plus tôt je meurs et... plus tôt je vous rejoindrai. Enfin, s'il y a bien quelque chose après la mort. Tant d'incertitudes, mais je suis pourtant sûr de quelque chose. Que ce soit de mon vivant ou lors d'une hypothétique après-vie. Je me souviendrai toujours de vous. C'est un souvenir impérissable. Qu'on se prenne dans la main et qu'on profite enfin tous ensemble. Je veux me souvenir de vous de cette manière. Et surtout de toi, mon frère. Je t'avais dit que la vie te ferait une belle surprise.